Cher journal intime, on vit une époque formidable. L'émancipation, les progrès de la médecine, la contraception, autant de choses qui permettent à des femmes comme moi de prendre leur vie sentimentale en main. Malheureusement, tous les hommes ne se sont pas encore adaptés. Certains d'entre eux ont tendance à devenir collants quand vous ne voudriez pas qu'ils le soient. On peut plus ou moins classer les hommes par grands archétypes. Une fois que le profil est établi, il suffit d'agir en fonction, tout simplement. Voilà quelques exemples. Il y a l'homme romantique. Il faut faire attention à celui-ci, hein. Il peut être coriace. Avec lui, soyez direct. Ça va, toi, depuis hier soir ? Moi, j'ai une chiasse. Un grand classique dont il est facile de se défaire, le lâche. Pour le faire fuir, c'est facile. Je sais que ça va vite, mais je crois que je t'aime. Je crois que j'ai envie d'avoir des enfants avec toi. Le maniaque de l'hygiène. Un poil angoissant, vous avez vu que chez lui tout était nickel, parfaitement rangé. Brisez le mythe. Pardon. Le père célibataire. Sa vie, c'est ses enfants. Quelle horreur, les gosses. Moi, ça m'a envie d'en prendre un et de taper sur l'autre. L'intello. Oh, moi aussi, j'adore lire. J'ai lu tout Patrick Sébastien, par exemple. Le pratiquant. Ah ouais, tu crois au Père Noël aussi, non? Le vieux beau, préoccupé par son âge. C'est fou ce que tu me fais penser à papa. L'hypochondriaque. Tu ne grattes pas depuis hier soir, toi? L'écolo. Tu sais, des histoires de couches d'ozone, j'en ai rien à foutre. Le macho. Atteignez-le dans sa virilité. La taille. L'artiste. Mais sinon, c'est quoi ton vrai métier? L'altermondialiste. Oh, j'ai faim, si on se faisait un bon McDo. Le musicien. Je kiffe David Guetta. Le timide. T'aimes faire l'amour devant des gens? Le confident. Arrête, quoi, ta gueule, la ferme, la ferme! Le précieux. C'était cool hier. Mais j'ai la vulve hyper dilatée, moi. Il faut absolument que tu m'encules, sinon je sens rien. À chaque fois, le piège se referme. Ça en serait presque amusant. Lucas Durand, PDG de la maison d'édition qui va publier ce journal. Regardez comme il prépare le petit déjeuner avec soin. Allez, demain je vous explique comment on fait pour rendre un homme accro quand on en a envie. C'est bon d'être moi. Je kiffe David Guetta. Tu peux mettre juste un peu plus de pause entre les... Ah oui, pardon. Ouais, pour que je puisse... Moi j'ai une chiasse, puis la rester. Je la refais, pardon. Ouais, vas-y. Mais moi aussi j'adore les livres, surtout les livres de cuisine. Ça tourne. 4/2. Et vite.